Avez-vous été de ceux qui ont assisté à l'éclipse? La plupart des gens que je connais ont assisté, puis au début, je pensais faire un vlog là-dessus, entièrement là-dessus. Je me suis dit, on a assez parlé aux nouvelles, on a assez vu des posts partout sur Facebook, partout sur Instagram par rapport à ça. Je vais vous en montrer un petit bout. On va enchaîner tout de suite parce que samedi passé, des amis à moi m'ont téléphoné pour savoir ce que je faisais. Et comme j'étais dans des funérailles, ben oui, depuis la pandémie, j'offre un nouveau service. Je fais des funérailles en direct pour les gens qui ne peuvent pas assister en présentiel à des funérailles. On a fait une quarantaine. Puis là, Patrice et Sébastien s'en allaient voir un spectacle de Louis Bérubé à l'Enjeu, à Pointe-aux-Trembles. Moi, je connais pas Louis Bérubé, je connais pas le monde du country, mais pas du tout. Pour le trip, je me suis dit, il m'en a assez parlé. J'ai le goût d'essayer ça, j'ai le goût de découvrir ça. Fait que j'ai dit à Patrice puis à Sébastien, parfait, j'embarque, je m'en vais avec vous autres. Ton chapeau, là, les boys! Hey, non, yeah! C'est un chandail! Ouais! Non, ça va voir Louis Bérubé! Yeah! Louis Bérubé! La question de donner suite à tout ça, quand on est arrivé au bar L'Enjeu, bien évidemment, Louis Bérubé était dehors pour saluer le public. C'était la première fois que j'entrais à L'Enjeu. Puis à ma grande surprise, c'était Dani Daraich que je connais, qui était l'animatrice de la soirée. Fait qu'on espère que vous allez passer une belle soirée avec nous autres, parce qu'on a un super de bon spectacle à vous présenter, nul autre que M. Louis Bérubé. Puis pour mon plus grand bonheur, puis pour le bonheur des fans de country, bien évidemment, elle a interprété quelques chansons. Enfin au spectacle de Louis Bérubé que j'ai découvert cette soirée-là. Puis honnêtement, j'ai pas été déçu. Juste pour faire ça, un sandwich de l'année et dans d'autres.
cognac. J'ai plus rien, mais je suis bien. Je fais même plus de taxes. Je reprends mon chemin, puisqu'au fond, je relâche. Levez les pouces, les gars.